Bon, 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 bon. Il faut savoir que cette vidéo. Voilà, quoi. C'est tout. C'est cool. Putain, y a pas un bruit, sa mère. C'est normal, non? Suis-je seul au monde? Ai-je tué tout le monde? Alors, pour se baisser, c'est comme ça, ok, ça roule. Courir comme ça, taring, comme ça. Sauter comme ça. Ça, c'est quoi, Y? Se pencher. Ah ouais, on peut se pencher. Ok, c'est cool. Et ça, c'est quoi? Ouais, ça, c'est pour. Je sais pas quoi. Comment on donne un coup? Ça, c'est pour contrer. Ça, j'imagine, c'est pour donner un coup. Oh, elle a voulu faire quoi? Okay. Ça, c'est pour les pouvoirs. Marraine. Et ça, c'est pour utiliser le pouvoir. Ok, ça. Ah. La brume arrive. Oh, il y a des escaliers là. Avoir poste des superviseurs. Quoi? Le Crownhand. Merde. J'ai pas déjà tué tout le monde ici? Je sais pas, je demande. Je sais pas. Bon, ouais, j'ai l'impression que j'ai tué tout le monde ici, non? Possible. Y'a quelqu'un? Ouais, y'a quelqu'un. Merde. On me voit, mais de où? Ah oui, là-bas. Ouais. Il fait sombre. Ah, c'est normal, hein. Pas beaucoup de lumière, vous voulez des lampadaires à vous, donc c'est normal qu'il fait sombre. C'est quoi ça? Black, inspecté. C'est là que mon père est né? Tu veux dire là, dans la maison là? Ouais, bah ouais. Alors c'est dans cette maison que le père de Emily est né. Opéré? Ouais, mais visiblement il y a des. C'était barricadé parce que. Mais de toute façon, on peut pas aller, c'est. À moins qu'on peut aller vers le haut, je sais pas. Sûrement. Bizarre qu'on peut pas rentrer dedans. Bref. Il y a pas un gars là, j'ai l'impression de voir un gars. Voilà, que dalle. Mon imagination, bon, bref. Mais il bouge pas ce con. Allez. Il reste immobile, normal. Il est con. Mais il est bizarre. Ok, là il y a un livre et tout, c'est cool. Ah, c'est quoi ça? Lire. Extrait d'un ouvrage complet, d'un bout de l'autre du monde, un ordre de passage presque. Ouais, je vais pas le lire parce que. Ouais, après, il y a avec une page, mais bon. Je suis pas là pour lire, on est d'accord. On est d'accord. Bouteille de réactif. Ça veut dire quoi que. C'est inflammable? C'est inflammable, ça me va, mais si c'est pas inflammable. Ah bah oui, évidemment. Ah non, c'est quoi? C'est là, c'est des mouches, ça roule. Belle. Oh, genre, les rats, ils m'attaquent. Ça faisait bien un temps que les rats m'avaient pas attaqué. Putain, je me suis fait niquer au niveau de ma vie, moi. Ça va, connard. Ah, tout seul, là, tu fuis, hein. J'étais perdu.
Le jeu est beaucoup sombre, je trouve. Après, c'est mon écran, je crois. Je pense que c'est mon écran, ouais. Quoi de la bobotte là? Rien du tout. Bon, toi, tu resteras fermé ici, toi. Rune, je m'en fous de la rune. Mais alors, je veux me pencher, ah oui. Je peux pas me pencher. Il y a un mec qui est juste là, je crois. J'entends déjà marcher, mais j'ai pas trouvé son. Bref. Ça marche, on attend, ça marche. J'ai tué un superviseur. Alors, j'ai saisi d'autres articles interdits, interdits en possession des gens de la rue des environs et je dois mettre sous clé dans la salle des confiscations. Quand le superviseur Stelios se réveillera, qu'il évite de m'apporter la clé. Oh oui, de bol. Des balles, des balles, des balles. Une pièce. Là, il y a un autre truc qui est écrit. Là. Non, je peux pas lire ça. C'est les pièces que je voyais, quoi. Bref. Épier. La clé. Mais je ne l'ai point. Merde. Bon, c'est l'autre. Oui, de toute façon, c'est le superviseur qui l'a. Putain, ça marche comme ça. Avançons prudemment. Putain, il s'est arrêté à temps lui parce que je peux vous dire que. Il est seul à ce con. Bon, ils sont combien? Il y en a deux qui dorment. Non, plus que deux, je crois. Non, non, bon, moi j'en vois deux. Après, je peux très bien éviter de les tuer, mais bon. Comme s'ils se réveillent, ils me tueront aussi, donc autant les tuer. Comment osez-vous? Wow! Ouais, j'ai merdé complètement, j'avoue. Régale-toi. Bon, alors, est-ce qu'il y a un de vous... Ah, j'ai la clé, c'est bon. J'ai la clé. Je vous l'avais dit, hein. Putain, mais moi je voulais les tuer dans leur sommeil, putain. Il est aussi sérieux, ce connard. Enfoiré. Je m'attendais à trouver une lettre de leur femme.
bien sûr. Tiens. Putain, merde. Voilà. Dans le corps. Bon bref, ouais voilà quoi. Ça je peux pas fouiller le truc là, non, non, ok. Là je peux fouiller. Y'a rien. Moi ça je prends. Ah je suis à full. B. C'est de la poche. C'est de la poche et de la poche, ça aussi je prends. C'est quoi ces solutions hein. C'est bon, y'a plus rien à prendre. Pouvoir ouvrir cette saleté de porte. Des pièces. Je veux bien des pièces. Oh, y'a quoi? Des pièces non? Je sais pas. Ah non non. Trop tard. Tant pis. Alors alors là. D'avoir une rune, hein, logiquement. Ouais. Merde, dégage. Ouvre-toi. Voilà. C'est bon, il y a. Non, mais il y a encore un truc. Non, non c'est bon. Il n'y a plus rien. Ça roule. On va fermer alors. On dirait qu'il y avait un truc. Ah oui, il y a un truc. Ok, ok, ok. Sauvegarder, ouais. Très important de sauvegarder. Putain, y'a. Non, ok, c'est en bas que ça se passe. Ouais. On peut aller en haut de. On peut monter en haut des escaliers, donc on va. Quoi, c'est net ça? Ouais, un papier. Des lions montent la garde. Putain, je vois vraiment rien avec mon écran. Attendez, je vais augmenter la luminosité de mon écran parce que je pense que c'est plus mon écran qu'autre chose parce que je pense que. Je vais. Ou alors on va quand même regarder. Visuel, son. C'est le visuel, on est quoi. Paramètres qualité, ouais, ouais, très faible. Quoi? Ah ouais, j'ai tout faible, il faut m'expliquer. Pourtant, il y a écrit. Pourquoi il y a écrit tout faible? Pourtant, je suis un ultra connard! T'es logique, toi, merci, putain, oh la vache, très joué. Et pourtant, le jeu il était quand même beau, à me dire. Donc, des fois, ça sert à rien de mettre tout en ultra, mais vraiment rien. Alors, synchronisation verticale, oui. Moitié 25, lol. Je savais même pas qu'on pouvait mettre la moitié. Résolution adaptive, parce que ça veut dire on s'en fout. C'est quoi ça en fait? Vous permet le bien te connecte à deux ombres et vous avez les mains sur les lumières. Oh, monsieur. Type de mise en mémoire tampon, je m'en bats les couilles. Voilà, voilà. Ah, netteté, je sais pas. C'est un été. Et l'un des je peux le mettre à fond. Déjà, on va essayer de comme ça. On va essayer de faire comme ça déjà. Sur le jeu, il va bugger, c'est dirad. Lol. Ah, c'est pareil. Putain. Scheiße. Ouais, j'en étais où moi au niveau des réglages, ouais, putain. Visuel, visuel, visuel. Je vais le mettre à fond, moi, je suis à vous. Ouais, ombre, 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 en profondeur du flou. Ça roule. Je peux pas, sinon je vais le faire sur mon écran. Mode affichage plein écran. Champ de vision, ouais. Oh bah vision, c'est pas là que ça se passe quoi. C'est pas ici que ça se passe quoi. Au moins que c'est de la jouabilité. Je vois pas, je vois pas.
ça peut pas être ici, je pense pas. Ouais, bon, bah, je sais pas. Moi, je vais le faire avec mon écran parce que. Quoique là, c'est un peu plus clair, je trouve. Bref! Bref, au salon! Putain. Pas l'habitude de voir ma vie à full, moi. Mais disons que, à part eux, ils s'y tirent que ça, lui. Est-ce que. Je veux dire, est-ce qu'il va. Il va cogiter en voyant une porte s'ouvrir ou se fermer? Fausse alerte. C'est du lit. Ouais, la tempête de poussière. C'est ce que j'aurais dû dire. Je m'en veux maintenant. Ça va m'empêcher de dormir. Ils en veulent quoi, lui? J'ai rien compris. Je ne sais point, mon gars. Bon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ça. Ils sont cons, quoi. Pourquoi je peux pas le prendre? Ok. Attends, il y a un truc là aussi. Mine paralysante. Oh putain, je suis full, putain. Ok, bah je suis full, je suis full. Je pense qu'il est juste derrière la porte, là. Attends. Ah, il est où, là? Il est positionné où, ce con, là? Ah bah non, en fait, il est à droite. Nous unissons nos forces contre les spectres de l'inconnu, prêts à nous emporter au plus profond de la nuit, loin de nos foyers. Bah, loin de ton foyer, tu vas y trouver, t'inquiète pas, mon gars. Quand j'aurai fini avec toi. Oh, il y a un gars là-bas, regardez. Ah, il est là, ok. Pour lui, je vais le tuer. Attendez, j'ai quand même son chez moi. Je vais quand même faire sur ma télé faire quelques réglages parce que. Image. Et ça serait la luminosité qui. Enfin, est-ce que c'est la luminosité? Netteté, c'est pas netteté. Ou alors c'est le rétroéclairage qui est peut-être trop bas. Ouais, non, c'est pas le rétroéclairage. C'est pas le rétroéclairage. Ok. C'est pas le rétroéclairage, ok, c'est cool. C'est la luminosité, visiblement. Je trouve que quand même c'est mieux. Pour moi. Voilà, je vais le mettre comme ça. Puis on va laisser comme ça. Bon allez, avant qu'on nous voit. Il faudrait même qu'il soit un peu sombre le jeu, sinon ce serait pas marrant. C'est pas moi. Oui, il y a du monde à gauche, hein. J'avais pas compris du tout ce qui s'est passé. Une impasse avec les hurleurs. Bon. Rien ne nous empêchera plus d'étendre notre influence sur Karnaca. Voire sur l'ensemble de Cercolos. Une dizaine de superviseurs ont trouvé la mort en essayant d'éliminer Paolo. Malgré les blessures infligées, il s'est toujours débrouillé pour ressurgir le lendemain. J'ignore quel sortilège le protège, mais rien ne peut l'atteindre, même la musique ancestrale. Paolo possède un artefact impur. Je crains qu'il ne faille le tuer à deux reprises en un seul et même jour. Disparition de Braham Arkvol, Royal.
Personne n'avait encore assuré la relève laissant le musée dans le... On ne peut que s'interroger qui a mis l'occasion. La disparition de l'or est une perte terrible pour l'institution. Des cercles de connaisseurs saluent la capacité. Oh, on s'en fout. Ouais, j'ai tué quoi. C'est moi. J'avoue tout. Celui qui a fait ça va. Ça va aller. Payé. Non, le duc n'est pas notre allié. Il m'a banni du Grand Palais, il a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour changer. Hey, vous, la puanteur de l'hérésie est maintenant. Voyons ce que vous savez faire. Ne la laissez pas filer. Vous n'irez nulle part. Vous allez payer pour ça. Il est mort, lui. Pour la vie, c'est que ça. Ah, salut les gars. Voilà, toi t'es mort. Toi tu vas mourir. Pardonnez-moi mes gueules. Toi aussi, hop. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ouais, ce pouvoir, mais il est cheaté, c'est un truc de ouf. Hein. Sincèrement, je veux dire... je suis bien content qu'ils l'ont mis, mais... ils auraient pas dû. Ils auraient pas dû, parce que putain... Voilà quoi. Après, je suis pas obligé de l'utiliser non plus, mais bon, j'ai peut-être pas envie de me faire chier, à me prendre des dégâts et tout, donc, hey, on me donne ce pouvoir-là, oui, bah, je vais l'utiliser, il est ici pour l'utiliser, donc ouais, quoi. Donc, me faites pas chier, me faites pas chier, me faites pas de reproches, ok? C'est pas moi que... Attends, mais, il veut quoi? Bah, il est porté. Ah, il veut son corps? Ah non, ouais, parce qu'en fait, je peux ramener... le corps à la à l'autre bande de coups. Parce que faut que je regarde mes objectifs. Y'a rien de spécial ici, je sais pas. Pas un truc qui fait du bruit qui sait pas où se trouve. Chicha. Il est où? Vous l'entendez? Je l'entends mais je sais pas où il est, putain. Je vais prendre le cœur pour voir un peu. Ah, il est où le cœur? Mon cœur. Ah, il est là, ok, les gars, tiens. On peut lâcher le cœur. C'est une charme d'os. Bon, bref, voilà, ça c'est fait. Attends, il y a encore. Ouais. Et en bas, il se trouve quoi? Alors, je vais juste regarder mes objectifs. Est-ce que c'est... Ouais, que c'est parfait. Alors, parler à Megaman, livrer un chef de faction à l'autre, trouver une autre solution. Ouais. Enquêter pas. Quoi? Enquêter sur Durant. Bon, bah, je vais enquêter sur Durant. Comment on fait pour aller là-bas? Ouais, comme ça. Clé de salle de confiscation. Clé de la salle de confiscation. De l'avant-poste des superviseurs. Ah oui, c'est pas là où j'avais vu les loots qui essayaient de crocheter là. Il me semble que si, hein, essayer de crocheter une porte, puis oui. Et puis voilà, voilà quoi. Donc je pense que je l'ai. Donc je... Ah bah non, c'était une. Ouais, je sais pas, ça sert à rien du tout en fait. C'est vrai que, ouais, que... je reviens sur le jeu pour info. Pour ceux qui l'auraient pas vu, je pense que si, hein, vous l'aurez deviné parce que je m'amuse pas à faire des bons et à appuyer sur des touches pour voir ce que ça fait dès le début d'une vidéo quoi. Hein? Hein? Quand je fais ça, vous savez que ouais, quoi, j'ai été sur un autre jeu et que là je reviens sur ce jeu. Ouais, ouais. Bon, on va aller voir. Bah, je peux pas aller là? Non, mais si, je pense que si, mais. Bah, en passant par une. Non, même pas. Oh putain, ça m'a fait peur ça. C'était la chaise rouge avec le visage du tableau qui se retrouvait derrière. C'est. Ça m'avait bizarre de voir ça. Il y a quoi ici? Oh, il y a un truc que j'ai pas pris. C'est quoi? Pistolet, hein, oui, des balles. Je veux bien des balles. Encore des balles, oui. Non, putain. C'est ça que je veux. C'est. Putain, mais j'arrive pas à aller dessus, hein. Putain! Ben, nique ta mère! Putain. Tout ça pour une bourse de merde. Ouais, j'étais déjà passé par là, je sais. Bref, pauvre brief.
aussi j'ai déjà été. Ah bah non, ah d'accord, ok. J'ai regardé, il y a un Gaulmont là. Mais je peux pas l'exécuter tout simplement. Attends, mais il dort pas, en fait il est mort. Ah ouais, ok, il est mort. Chablabla. Nickel. Il y a des bancs, regardez. Ça me fait penser aux bancs qu'il y avait quand j'étais à la maternelle. Les longs bancs là. Ouais. Ça m'avait terrorisé. Qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Marc, c'est quoi ça? Stylo plume. Quoi? Ajoutez le nom du vice-superviseur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il dit ça? Ajoutez le nom du vice-superviseur. Pourquoi je dois ajouter le nom du vieux? Ah, livre de. Ah, d'accord, ouais. Vas-y. Inscrit par la main qui a mis fin à votre misérable vie. Putain, y'a, j'ai pas besoin qu'il soit mort. Ah, bah ouais, mais c'est la vie. Hein. Vous m'avez tous trahi. Donc je n'aurai aucun supplice à vous tuer. Bonne de fois. Il y a pas une fenêtre, si là. Ouais, bon, cette fois, je vais te la nuit. Bon, on va commander. Oh, on peut aller dans l'ascenseur. Il ne vous ne fonctionne plus, ascenseur. Malol. Ouais, ça va donner ici. Je pense qu'on va avoir personne ici. Ouais. Je crois. C'est là où ils mettent les trucs qu'ils ont pas besoin, quoi. Ou un grenier, si vous voulez. Quoi. Bref, il y a quoi de l'autre côté hein? C'est rien, c'est juste le plafond, on va dire ça comme ça. Avoir poste des superviseurs, ouais, je sais. J'ai envie de le prod quand même, comme ça pour voir. Comme ça je serai moins seul, lol. Private. Pourquoi ils me disent encore d'aller là? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire, putain? J'ai oublié de faire un truc, on est d'accord, parce que sinon ils me diraient pas ça. Entrer dans les manoirs de la maison, parler à Megator, livrer le chef de la faction de l'autre, ou trouver une autre solution, enquêter sur Durant. Ouais, mon avis, s'ils ont enquêté sur Durant, c'est que. Oh, c'est un chien. Viens, le câble, j'ai à manger pour toi. Tiens! Oh, il a pas voulu. T'es mort? Putain, mais c'est incroyable le chien. Tu t'es bien battu, attends, mais regardez la gueule du chien, mais ça. C'est même pas un chien, regardez. Ok. Putain. Tout de ouf. Mais tu vas crever toi, tout. Ouais, bon, bah, samedi. Ah non, mais j'ai oublié un truc ici. Je comprends pas.
J'ai trouvé une clé, mais je dois aller où après? Peut-être que j'enquête sur un truc. Attends, tu vas me dire que j'ai oublié un truc? J'ai l'impression, hein, vu que je sais pas, eux ils disent qu'il y a ça. S'il y a ça, mais normalement, le truc qui devrait. Il devrait se barrer, quoi. Se barrer. Le petit logo là. Pourtant, il se barre pas. J'ai raté un truc, quoi. J'ai raté un truc ici. De toute façon, si j'ai un truc à voir, à lire sûrement, c'est bah, sûrement ici que ça se passe, quoi. Dans le bureau sûrement. Alors, ah oui, il y a un livre. Peut-être que en lisant les livres, ça va. Alors, les ventes du sud présentent cette académie de l'agriculture et de l'éducation du voyage de jour. Non, ça c'est lire, ok, je m'en fous. Ça c'est rien du tout. Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Projecteur. Ah, je l'éteins bien. J'ai un truc à faire avec ça ou je sais pas. Bizarre. Ah, j'ai une clé. Clé de Durant. C'est bon. Alors, les hurleurs prisonniers en bas. Les hurleurs prisonniers en bas nous a révélé des informations cruciales. À propos de ce copain, un chef hérétique, Polo débauche à toute le. Dans son dernier souffle, le détenu nous a appris que le duc lui-même avait chargé Polo de livrer des vivres à la maison barricadée d'Aramis, située à l'accès de protéger. Ah, et protégée par le verrou Judoff. Judoff a donné la combinaison au duc et Polo l'a ensuite transmis. Au détenu ce tissu de corps. Ah, d'accord, et oh, d'accord. Ouais, mais le détenu, il est encore vivant ou pas? Ah non, dans son dernier souffle, il a dit. Putain, c'est compliqué. Ah, entrer dans le bureau de Durant, ça c'est. Objectif mise à jour. Trouver les affaires de Durant, voilà. Bah, ça roule, c'est cool. Comme un manger à l'intérieur, vous savez quand il prend de la luge et qui glisse sur les escaliers avec, c'est ouf. Bon bah c'est cool. Faut que j'aille au bureau de Durant quoi. Bon bah tout de suite ici, je m'en fous. M'en fous ta gueule. Les vitrines d'une ancienne boutique. Je peux passer par là ou sauvegarde déjà. C'est une bonne idée de sauvegarder. Voilà. On sauvegarde. Comment prendre le corps au cas où? On pourrait toujours en avoir besoin. Je me suis pris le Edge of Fire Definitive Edition. C'est un jeu que j'aime y jouer par période, par moment quoi. Et voilà quoi. Alors ce qui est bien c'est que ils ont réglé l'intelligence artificielle de nos alliés parce que je sais que quand je prenais des alliés dans le Edge of Fire 3 original, ils se faisaient à chaque fois des boîtes, surtout l'Espagne, la Russie, mais c'était la pire, enfin, c'était les deux pires, ils étaient tellement faibles qu'on était obligé de les protéger. D'ailleurs, si vous voulez voir l'exemple même, vous pouvez avoir une vidéo justement où je me bats avec... la Russie puis l'Espagne sur une ancienne vidéo. Je vous invite à aller la chercher si vous voulez. Mais voilà, pour voir à quel point l'Espagne et la Russie, mais c'était complètement China, quoi, tout pourri. Dernier, super. Il peut y avoir des gens qui vont gueuler s'ils me voient avec le corps. Quoi. Tu vois ça? Ah bah oui, c'est l'autre. Là c'est là où il y avait le... Oh c'est fermé. Pourquoi c'est verrouillé?
Mais dis-toi, mais comment c'est. Mais non, tapis chapeau! Putain, la porte est bloquée, putain. Bizarre cet endroit là. Ah, je peux pas. Ah, regardez, je peux peut-être passer par l'eau. Nouveau pouvoir. Donc voilà quoi, je me suis pris le i. La dernière version de Edge of Fire. C'est ça, ouais, ça. Hop. Mais je suis content, là, j'ai fait des parties, puis là, j'ai pu partir. La difficulté est augmentée, quoi. Et c'est cool. Bon, après, là, j'ai fait des parties en normal, j'ai pas encore tenté difficile, mais je vais le faire après. Hein. Après avoir fait 3 vidéos sur ce jeu. Ou peut-être plus, je sais pas, je verrai bien. Je sais pas pourquoi je me mets accroupi, j'ai pas besoin. C'est pas active. Alors, Amadeo Monte, un artiste qui dessine des publicités et des... Ouais. Pour les journaux, il vit près du chantier naval, je l'ai repéré au coin. Il a perdu sa chemise au thé, il a l'air d'avoir un tatouage intéressant dans le dos, j'ai bien envie de voir ça de plus près. On rencontrait, effectivement, il a des tatouages très inhabituels, il peut peut-être falloir le revoir une ou deux fois. Plus faut que le temps pour faire un bon dessin. Heureusement qu'il a une belle gueule, mais je dois faire gaffe. Je crois qu'on a suivi sûrement les merde. Ils l'ont eu. Ah merde. Fais gaffe. Je crois qu'on nous a suivi sûrement un de ces couillons de l'abbé. Et ensuite elle a écrit merde. Ils l'ont eu. Bon bah il est mort que l'autre. C'est tatouage. Et c'est une meuf qui a écrit ça visiblement. C'est cool, mais. Oh! Équipé. Jamais! Elle est jolie la fleur. Une autre sataniste. Faillite satanique. Regardez. C'est le. C'est ça qu'il avait comme tatouage, je pense que sur son dos, le monsieur. Je sais pas, je dis ça, mais j'en sais rien. Visite de courtoisie. Nous range ton arme. T'as les WC de l'époque, putain. Ça, j'aime bien ça. J'ai bien mangé. Épier. C'est les escaliers quoi. Ouais. Ensuite, c'est quoi ça? C'est quoi? Pissette. Ah, d'accord. Une pissette. C'est-à-dire que quoi? Il y avait du pipi dedans ou non? Rien à voir, hein. Pourquoi elle est bizarre cette bouteille? Ah, mais c'est parce qu'elle était dans la nuit maintenant. Regardez. De verre, des... Ouais, c'est juste pour faire du... Mais pourquoi elle était jaune? C'est vrai, la bouteille était jaune. Pourquoi la bouteille était jaune? Bizarre. On va quand même la prendre avec moi, comme ça, pour le fun, mais... Pourquoi la bouteille était jaune? C'était peut-être un bug, je sais pas, mais... Ok, ça c'est pour sortir, donc ça sert à rien que j'y vais là-bas. On va aller en bas. Est-ce que vous croyez que la personne est morte? Je dirais que non, mais... Bah tu me dis, il y a personne. Hein. Où est-elle? Bizarre ça. Je m'attendais à voir quelqu'un ici, putain. Enfin, je m'attendais, j'aurais espéré voir quelqu'un. C'est quoi ça? Il y a un cercueil en verre, non? Non, c'est pour mettre des... Je sais pas. Pourquoi j'aurais bien... Ah, à moins que c'est celle que j'ai vue tout à l'heure, en fait.
que j'ai vu au loin que bah, qu'on va aller voir. Regardez, il y a, oh, je sais pas, un truc comme chez les dentistes. Je suis que ce lieu. Mais là, pause. Je vais se trouver. Non, mais pose la bouteille, s'il te plaît. Voilà, je la pose là parce que. Parce que je sais pas trop quoi faire. Mais ça, je sais quoi faire. Oh putain, je peux même pas la prendre. Je peux fou... Ah, je peux fouiller. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Un livre. Alors, journal de Midi Blanchard. Tiens, Blanchard. Note sur les marques magiques. Quatrième jour du mois de clan, c'est plus un matin. J'ai. Vas-y, toujours. Oh là, tiens, beaucoup là. C'est pas du sang de la baleine dans l'encre, je me sens pas bien du tout. J'ai un mal de crâne pire que le jour où ce morveux m'a filé un coup de brique en plein front quand j'étais jeune. Juste avant que je le balance du château d'eau. Et ce tatouage, je veux pas cicatriser comme il faut. En tout cas, c'est pas un truc normal, ça se voit, ça me fait un drôle d'effet quand je m'en approche. J'aimerais bien pouvoir regarder les marques de plus près. Je parie qu'il y a des herbes spéciaux dans l'encre, quelque chose comme ça. Si c'est pas des herbes, ça pourrait aussi être de la cervelle de baleine ou des ailes de. Vous voyez, un truc venant de l'ennemi qui a été réduit en poudre. Hein. Alors j'ai examiné, oui je lis en l'envers. Alors j'ai examiné ces marques sur la trahison, sur les. Talisman de Paolo, je sais pas qui a dégoté cette vieille main toute séchée. Il m'en parle jamais directement, mais chaque fois qu'il s'est amoché, qu'il se prenne une balle dans la carafe, une lame dans la bile, il se retrouve dans la petite pièce secrète aux côtés de son bureau, comme rien. Peut-être qu'un de ces jours, je m'en souviens plus. C'est le truc que j'ai trouvé, de toute façon, ouais. J'ai enfin compris que ça suffit d'avoir des tatouages. J'ai enfin compris que ça suffit pas d'avoir un tatouage, c'est qu'une belle image dessinée dans la peau, rien de plus. Ah. Paolo a plus de ressources qu'il n'y paraît. Attendez, je me repose un peu les yeux parce que c'est comme je vous dis, quand je lis sur un écran, c'est. Voilà quoi, c'est moi quoi, c'est mes yeux, ils s'habituent pas à ça. On n'a pas tous les mêmes yeux, ouais, bon alors pour vous, c'est cool. Alors, oui, et quoi? Alors, entrer dans le bureau de Duran, ouais. Indice de mission, non, c'est pas ça, putain. Le journal de Midi Blanchard mentionne que Paolo revient toujours à la vie au même endroit, un hôtel de l'Outsider près de son bureau. Ok, ah oui, mais c'est vrai que là, faut que je trouve un mec faut que je tue deux fois, ouais, ça y est. La solution du raid pour le verrou. On s'en fout, d'accord. Objet, voilà. Chevalier impérial, cool. Ok, comme ça on sait où il va aller quand il va se revivre, quoi. Ouais. C'est qui? Un Blanchard. Blanchard. Je sais même plus c'est qui. Pas des brochettes de iguane, non? C'est dans quel jeu où je voyais des brochettes d'iguane? C'est dans le jeu là? Non, c'est pas dans le jeu là. Non, c'est dans. Je sais plus c'est dans quel jeu, putain. Attends, je. C'est peut-être un Fallout, je sais pas, mais je sais pas. Ouais, il me semble que c'est un Fallout. Que c'est un Fallout 3. Bonjour, hurleuse. Je vous connais pas. Un pas de plus et je vous taille dans le lard. Ok. C'est dommage, j'aurais bien voulu être ton ami. On aurait pu être copine et tout. Je suis vraiment déçu. Attends, mais. Cette fois, de je vous mourir, aurai. fillette. Elle ira là-bas. Ah, saloperie! Non, attendez! Non, mais. Ici. Je regrette! Vous échapperez pas. Ouais, non, mais je viens de comprendre en fait. Si je cherche la partie, je viens où là? Bah ouais, bah, ça va, c'est pas loin. On va charger et je vais leur donner le corps, voir.
Comme ça c'est fait, hein. Si ça peut me réduire des dégâts et tout, je vais pas me gêner. Hein. Donc là j'arrive quand j'ai lu le bouquin, c'est bon. Donc j'ai lu le bouquin, ok, ça c'est sauvegardé automatiquement après. Ça c'est bon. On va quand même vérifier. Et le jeu ouais, c'est bon, c'est parfait. Donc je vais leur livrer le corps. Comme ça m'évitera de battre contre eux. Et je vais pouvoir peut-être devenir ami avec elle. C'est le livreur! Je vais sauvegarder. Hein. Beau boulot. Burn était un beau salopard. Je rêve. L'abbaye va détaler en moins de deux. Donc là en fait il faut pas m'attaquer vu que j'ai le corps. Ah c'est cool. Qu'est-ce que ce jeu est bon. C'est vrai hein, graphiquement j'ai rien à dire, j'ai rien à lui reprocher. Bref, faut aimer voilà quoi, ce genre de monde synth punk quoi, punk. Pour une fois, c'est pas moi. Bonjour mes nouveaux amis. Adieu vice-superviseur. C'est Paolo qui gagne. Pour en avoir dans le pantalon pour se balader avec le cadavre de Burn. Mais j'en ai, t'inquiète pas que j'en ai mon petit gars. Si tu savais pas où je suis passé. Bon allez, on va livrer le. La pizza. Ah, putain de merde. Tiens, tiens, le vice-superviseur en personne. Putain, c'est Burn. Il est mort. Comme tu vois, je l'ai tué. C'est moi. Tout sympa. Oh, le grand vide, barre-toi. C'est le vice-superviseur. Pas trop quoi. Alors ça, un cadeau pour Paolo, je parie. Yes. Je te conseille de reculer. C'est cool, hein. Je serais pas néfaste avec vous-même. Tout était si simple quand je volais des pâtisseries et des fruits étrangers. Tu m'apportes le. Ça fait des mois que j'essaie d'éliminer Burn, et toi t'as réussi là où d'autres ont échoué. Vous me devez une faveur, Paolo. Si on est en guerre contre l'abbaye, c'est pas uniquement pour les quartiers, mais pour les habitants de Karnaca eux-mêmes. C'est ma ville. C'est ma et ville. J'avais envoyé Burn à Dunwall dans une boîte, pour expliquer la situation au grand superviseur et à l'impératrice. Tu t'attendais pas à ça, vice-superviseur. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux m'introduire dans le manoir d'Aramis Tilton. Tu m'intrigues. Je te devine beaucoup plus redoutable que mes hommes les plus puissants. Un conseil, ne l'oubliez pas. Voilà de quoi entrer dans le manoir. Ah, c'est le mot de passe. Si vous jouez un rôle dans l'avenir de Karnaca, j'espère de tout cœur que vous ferez mieux que le duc. Tu peux compter sur moi. Le duc n'est comme bon à rien. Débarrassez-moi de ce type. Ok, débarrassez-moi de ce type, j'ai qu'à parler de moi. Qui c'est l'équilibre de force à Karnaca. Que savez-vous au sujet du manoir d'Aramis Tilton? Cet endroit est maudit. Quand on passe à côté certaines nuits, on a des frissons dans la nuque. Cela dit, on raconte que Stilton était un type intègre. Il était bienveillant avec les gens qu'il embauchait dans ses mines. Que s'est-il passé dans ce manoir? Je connais la rumeur, c'est tout. Des bourgeois pleins aux as ont fait la fête ou quelque chose de moins recommandable. Avant, le duc n'était qu'un petit aristocrate sans ambition. Mais cette nuit-là, c'est devenu un homme déterminé qui suit son plan.
Ok. Bon, ça s'est fait au moins. Ça fait très récompensera si tu dis vrai au sujet de Burn. C'est très italiano. Magnifique. Magnifique, Spada, ah, bellissimo. Ouais, ça fait très italien, quoi. Et je m'y connais parce que j'étais en Italie cet été et je me la pète pas, mais. Attends, le pays. Mais c'est où que ça fait ça? Ah, c'est haut. Regardez. Bon, bref, on va se quitter là. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la suite sur ce Let's Play. Allez, ciao, bye bye.